faire. Bon, faut que je refasse ça du coup. Ah! Speedrun no jutsu! Oh, ça marche pas du tout là par contre. Tout à l'heure ça marchait, plus maintenant. Récurage? Comment ça? Quoi? Qu'est-ce qui se. Quoi? Mais le jeu? Qu'est-ce qui t'est arrivé là, le jeu? Attendez, mais pourquoi maintenant ils visent trop bien? Et avant ils visaient comme des nuls. What the fuck? Ah mais en fait ils me recouvrent de peinture. Là je suis tout bleu. Je suis tout bleu d'abudi d'abuda. Oh bah attendez, je peux faire ça. On bat les couilles en fait. Qu'un autre ennemi là-bas. On va se préparer. On va se préparer pour la guerre. Alors attends, je te lis tout de suite. Je vais voir si je peux pas un peu m'éloigner de ce mob et de m'éloigner de lui. Est-ce qu'il me suit si je vais là? Il me suit, putain. Ça, j'ai voulu t'adorer. Alors, je suis à toi dans 30 secondes. Ouh, alors attends. Ah! Si, si, bah, ça, ça va, ça, je peux lire à vote. Genre, Marine Le Pen est condamnée à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis, et 5 ans d'inéligibilité. D'inéligibilité. Putain. Bref. Elle ne peut pas se faire élire pendant 5 ans, ok. J'ai envie de dire l'inéligibilité. Ça, je pense qu'elle va s'en battre les couilles parce que de toute façon, y a Bardella. Oh oui! Oh, je t'ai marouflé ta race, toi! Oh, magnifique! Allez, salut! Bye bye! Mais par contre, on crache pas sur l'emprisonnement. En vrai. Oh, je les ai fait bugger sa race! Oh, parfait! Nickel! Putain, c'est chaud. Tu crois qu'elle se serait pas présentée? Je pense ils sont en mode on prévoit le coup, tu vois. Ils sont en mode on prévoit le coup et le prévoyage de coup c'est Bardella. Du coup ouais, je pense l'inéligibilité elle s'en bat les couilles, hein, sachant que le mec il est... Le mec il est sorti de nulle part avec zéro programme. Il s'est juste fait lire pour sa belle gueule. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, mais qui donc? Bref, donc ouais, non, je pense que... D'ailleurs, je sais plus... Alors, attention, avis risqué, hein, mais... Il y a un gars sur Twitter qui a dit quelque chose. Je suis un peu en demi-teinte, en même temps, je suis un peu d'accord. C'est que il disait heureusement que Marine Le Pen est une femme, sinon ça ferait longtemps qu'elle aurait été élue. Avis risqué, mais avis pas si con que ça, quoi. Avis qui donne à réfléchir, quoi, on va dire. Comment je reviens en fait? Comment je reviens d'ici? Je peux pas? Putain. Oh, what the fuck? Oh, le tourbillon divin là-bas. C'est exactement mon point de vue et c'est pour ça que je reviens. Ouais. Ouais. Oui, alors que du coup, voilà, moi, comme j'ai répondu, ils ont un peu fixé ce problème, on va dire, au dernier patch avec Bardella, quoi. Là, pour le coup, les gens ont aucune raison de pas voter pour lui. Enfin, les gens qui votent. Sans se servir de leur cerveau, bien sûr. Ah, mais comment je peux sortir d'ici? Il m'a coincé! Il m'a coq-bloc! Qu'est-ce que je fais maintenant? Je pleure sur le poulet, là. Comment je sors d'ici? Le jeu! Le jeu, putain, comment tu peux enfermer tes joueurs ici et pas leur... Le level designer! Putain, je vais te retrouver, je vais te niquer, toi aussi. Comment on fait pour sortir d'ici? Genre, même là, on peut pas atterrir! Putain, level designer du cul! Putain, je vais... Ça fait deux lives à la suite qu'on a envie de te niquer tes grands morts.
Level designer. Regarde-moi ça, on peut pas remonter dessus. Ah! Est-ce que je peux pas faire ça, genre? Bah non, je peux pas. Putain! Attendez, attendez. Mais non, mais je peux pas. Mais oui, je peux pas. Je peux pas. C'est incroyable. Et là, du coup, j'ai plus de quoi me heal, donc là... Là, c'est la merde, attendez. Bah ouais, c'est la merde, en fait, je peux pas. Le jeu m'a coq-bloc. Oh, mon bro Ethanine, comment est-ce que tu vas bien? Tu respires au moment où je râle. C'est-à-dire, en fait, tu arrives juste sous mon live, en fait. Parce que je râle tout le temps. J'espère que tu vas bien, copain. Un plaisir de te retrouver. Donc là, je peux faire oui. Oh putain, il m'a quand même. Je fais ça. Ensuite, là, je peux faire ça. Ok, c'est bon. Là, je m'en sors mieux que tout à l'heure. Ok, ok. On parlait de level design et de politique. Voilà, j'espère que t'es content. J'espère que t'es heureux. What the fuck? À l'aide! Je me fais canarder, Ao. Ok. Ok, ok, Là, normalement, quand je passe... Putain, je veux dire, quand je passe derrière eux, ils peuvent plus m'atteindre. Mais apparemment, ils ont pas été prévenus. Ok. Là, je suis good. Deux passions de ta vie, mais oui, mais je le savais. J'en étais sûr. Comment je vais faire pour l'autre, là? Je pense que ça va juste invoquer la foudre et voilà. On va refaire Pikachu attaque tonnerre. Attaque tonnerre! Ok, alors c'est marrant, il a réussi à me taper sans viser le mec. Quoi? Pardon? Je... Quoi? The fuck? Attendez, il m'a attaqué avec des ailes d'ange de pollution. Tu feras gaffe, il vole. Merci, bro. What the fuck? Voilà ce qu'il me faut. Hop, je prends ça et je me taille. Ciao les moches. Non, attendez. Je me taille pas vraiment. Oh putain, mais ils font une attaque peinture lurée, genre. What the fuck? Il m'a fait une attaque charge. Oh putain, mais je déteste ma vie. Oh, mais what the fuck? Ah, mais c'est trop dur. Putain, pourquoi ils ont mis une coquille de Natsis ici? Est-ce qu'on peut voler sous l'eau? Ouais. Là, comme ça, je dirais que oui. Putain. Même l'esquive, il la prend pas, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé là aussi? Ok, let's go. Ish, ish, ish. Let's go, let's go. Voilà, comme ça, je dirais couille en fait. Parce qu'en soi, nous... Putain, je déteste ce jeu. Il me voue une haine féroce. Genre, j'allais dire, toi, quand tu nages sous l'eau, t'es en 3... Enfin, tu peux te déplacer en 3D, c'est un peu comme si tu volais, genre. In my opinion. Ok, let's go. Quel enfer. Ok, le crabe qui vole. Round 2. Ah, c'est horrible. C'est horrible, il se passe trop de choses. Ah non, mais là, le jeu, clairement, il a foutu son respect aux chiottes. Attendez, est-ce que je peux faire ça? Mais non, c'est pas en pente. Ça, je... Oh! Vas-y, oh, je peux faire ça! Oh, le cheat code! Oh, le cheat code! C'est bon, les gars. C'est bon, j'ai réussi à tricher. J'ai trouvé la technique, j'ai trouvé la tech. Oh. Technique de la roulade ninja!
Ok, donc là je suis invincible pendant quelques secondes. Et let's go, c'est mardi. Mais trop bien en fait, la nouvelle technique que j'ai mis au point. Magnifique. Bon, attendez. Toi, je voulais te péter ta mère. Tuant. Oh, pourquoi il est pas lock? Voilà, là il est lock. Oh, il m'a mis un coup de cul. Allez hop, ça dégage les racistes. Oui. Je sais pas pourquoi mon perso s'envole à chaque fois que je tue ce mob. Écoutez. Je vais rien dire. Donc eux on a dit on peut les speedrun en faisant l'attaque éclair. Merde, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Mais GG quand même. Ah, ok, let's go. En fait, je peux faire des trucs sympas. Vas-y, viens là. Boum. Oh, le combo de fou. Mais c'est trop parfait. Pourquoi je fais pas ça depuis le début, en fait? Moi aussi, je peux te manquer de respect, le jeu. Hein? Ok. Maintenant, à nous deux. Yu-Gi-Oh! À nous deux. Allez, hop, ça dégage. Oui, enfin! Hier, j'ai fait deux gâteaux et je les ai oubliés dans le four après la cuisson. Je les attends depuis 24 heures. What? Après, normalement, c'est encore bon, non? Enfin, je veux dire, si le gâteau il est cuit au final. Au final, c'est Gucci. Au final, ça va. Ok, faut juste que je fasse gaffe à pas tomber là-dedans. Attendez, mais là. Là, il y a un objet, mais je peux pas en sortir après d'ici, genre. On est d'accord. Si, je peux. C'est bon, mais quelle idée. C'est un gâteau à quoi? Histoire de me donner encore plus faim que ce que je n'ai déjà faim. Carcinia, la ville blanchie. Carotte et noix, carotte, cake et noix, ça peut être bon, ça. Ça peut être giga bon. Ce que je voulais faire. Je sais pas à quoi ça servit, mais NP. Non. Oh, vas-y, tombe. Ce serait trop cool que tu tombes. Parfait. Merci. Oh, mon pouvoir Jedi marche trop bien. Parce qu'en fait, il y a un truc trop chiant, c'est que quand je lance un live, genre, j'ai pas faim. Genre, j'ai pas assez faim pour manger quelque chose. Sauf que pendant que je suis là, ça y est, j'ai la faim qui arrive. Je pourrais manger un éléphant. Après, malheureusement, on a épuisé le stock d'éléphants. Ok. Oh oui, un point de sauvegarde. On te donne faim aussi. Défense de manger un éléphant. Oh, défense de manger un éléphant. Bravo, bravo. Incroyable. Incroyable. Excellent travail. Nous avons réussi à entrer. Et maintenant, où est-ce qu'on va? Je l'ignore. Les événements qui nous ont menés jusqu'ici ont été si invraisemblables que nous ne pourrons pas nous tromper en suivant notre instinct. Parole de crustacé. Notre vrai trésor se cache quelque part dans cette ville. Tout indique que j'ai raison. Et donc, qu'est-ce que vous comptez faire quand vous l'aurez trouvé? Tu veux parler de la spire parfaite? Oui. En vérité, mon garçon, notre monde court un grand danger. Tu l'as vu au fil de notre périple. Les créatures de l'océan sont en train de perdre la tête. Partout, tout n'est que violence. Et nous en connaissons la cause. Le gank, mon garçon. Tout cela, c'est la faute du gank. Si seulement nous pouvions nous en débarrasser. La spire en est certainement capable. Elle a tous les pouvoirs. La force et le savoir.
Grâce à son contrôle des courants, nous pourrions envoyer le Gunk ailleurs, parole de crustacé. L'océan est si vaste, nous aurons toujours assez de place pour déplacer nos problèmes. Non, c'est nul! Une solution ingénieuse, non? Je pense que c'est une bonne idée, l'océan est vraiment aussi grand que vous le dites. Il n'existe rien de plus vaste, mon garçon. Tu pourrais nager toute ta vie sans jamais en voir le bout. Ça paraît insensé. Et vous pensez que je pourrais récupérer ma coquille? Bien sûr que oui, Krill. Qui pourrait refuser cela à l'un des héros qui a sauvé l'océan? Cela mériterait d'être chassé de la ville. Oh, super! Tout ça me semble parfaitement logique. Allons-y! C'est tellement pas logique. Hop, le point de sauvegarde. El punto de sauvegarda. On va y arriver, les amis. On va y arriver. De toute façon, depuis tout à l'heure, on avance. On ne fait que ça. On ne fait qu'avancer. Ça, c'est magnifique. Par contre, pourquoi là, il y a un petit chemin... Mais... Allez, monte! Merci. Attendez, je parlerai après. Ça va encore me faire faire ma voix caverneuse. Je m'échauffe encore un peu. Entre en vrai. Ça m'a l'air chaud de... On peut pas passer par là pour revenir là et... Non, on peut pas, hein. Et aller là-bas et tout. Non, je crois pas qu'on puisse, hein. Je pense que ça, c'est du décor. Et là, on peut y aller... Putain. Oh, quel enfer. Bref. Je me comprends. Je finis pas mes phrases, mais je me comprends. Petit verre d'eau. Et maintenant, on va faire la voix. Tu souhaites savoir qui je suis? Je suis un rêve, jeune crustacé. Je suis le rêve de chaque esprit qui s'éteint, de chaque gorge étranglée, de chaque branchie noyée dans le pétrole. Ah, il a dit pétrole! Il a pas dit gunk, il a dit pétrole! Ces âmes en peine sont happées par le courant. Elles tournent à droite, à gauche, jusqu'à atteindre le fond du fond, là où finit toute chose. Tu le rejoindras bientôt, toi aussi. D'accord, c'est pas du tout flippant, merci. Et ravi. Je suis joie. Oh. Alors attendez, mes petits potes. Voilà ce que je voulais faire. Pouvoir de la foudre. Mourez, SVP. Ils sont pas morts. Ben, re-invocation de la foudre. Est-ce que vous avez vraiment cru que j'en avais quelque chose à foutre? Non. J'en ai rien à foudre. Il en reste un. Je l'entends, je sens sa présence. Je sens son odeur nauséabonde. Salut copain. Meurs. Meurs, te dis-je. Et... Allez, bisous. Ça dégage. Oh, c'est peut-être un peu overkill. Oui. C'est carrément overkill. Écoutez, je pense qu'à ce stade-là du jeu, il n'y a plus d'overkill. What the fuck? Oh! Ingénieux. J'avais plus vu ça depuis Zelda The Minish Cap. C'est censé être quoi, toi? Ah, t'es les trucs chiants. C'est vrai. Bisous. Rien d'autre, on peut y aller, je crois. Qu'est-ce que t'es censé être, toi? Ah, putain, c'est un clone de moi. Ah, salut.
Il ou le respect, je l'ai mangé. Attends, on peut tomber là-dessous? Ah oui, un objet. Hop là, c'est à moi ça. Hop les. Ah putain, mais il saute ce cogneau. À l'aide. Oh, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose. Est-ce que vous l'avez vu aussi? Ah merde, il m'a vu lui aussi. Tuant. Raté. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu. Wow. Ok, c'est bon. Je ne suis pas mort. Ok, donc lui je l'ai vu, ça va être génial. Ah voilà, c'est ça que j'avais vu. C'est ça que je veux. Ça fait à moi, ça. My crystals. Hop, le pont du PQ. Caméra capricieuse, tout à fait. Comme tu dis, amigo. Les caméras capricieuses, j'avais plus vu ça depuis... Oh bah, je sais pas, les jeux PlayStation 1. Parce que déjà, la PS2, les jeux géraient bien mieux la caméra. Kingdom Hearts 2. Toujours dans mon cœur. Je peux pas le grappiner d'ici, ok. Je peux m'approcher. S'il spam les bubbles. Merde, 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 merde. Bubbles! Attendez. On va descendre quand même. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des petits slides? Ça va, bro? Tu t'amuses bien? Hop là, moi aussi je me suis bien amusé à te maroufler. C'était un plaisir. Bisous! Alors par contre, l'inconvénient de faire le Movember, c'est que ma moustache devient folle et du coup j'ai des poils de moustache qui me viennent dans le nez et ça me chatouille le nez. Voilà, je suis sûr que vous êtes vraiment heureux d'avoir ce genre de détails. Est-ce que vous kiffez ou bien? Je peux pas aller par là. Ouais, mais ça m'a l'air d'être la suite. Est-ce qu'on irait pas d'abord check ce qu'il y a là-bas? Putain, c'est laquelle la suite? La vraie suite. Je pense que c'est là-bas, ouais, faut faire le tour. Si je vais là... Ah merde, je peux plus monter là, en fait. Oh, jeu de merde. Alors juste, si je peux pas monter... Mettez le truc bien plus haut, histoire que j'ai pas l'espoir, tu vois, parce que là... Là, je me suis dit, il y avait peut-être un peut-être. Alors que là, bah non. Hop. Ok, let's go. Oh, oh. Oh, le bâtardo. Plafond de verre, c'est ça. Ah, ok, cette fois je t'aurai. Cette fois je t'aurai, mon con. Hop, voilà, Comeg. Pouvoir de la foudre. Allez hop, t'as pu tel m'avoir ou quoi? Ok. Non, il y a les deux cognos au-dessus. Bougez pas mes gueules, j'arrive. Drrr. Ouh, une microseconde près, c'est lui qui m'attaquait. Let's go. Let's fucking go. Ok, toi je t'ai vu. Toi tu es à moi. You're mine. Écoutez, pour l'instant, il y a une saloperie que le jeu m'a pas faite, c'est mettre un faux cristal
Genre, tu sais, un ennemi déguisé en cristal. Ça, c'est un truc de bâtard que le jeu n'a pas fait, qu'il aurait pu faire, et dont je lui suis extrêmement reconnaissant de ne pas avoir fait. Merde. Parce que franchement, le concept de mimique, je déteste ça. Let's go. Tuant ! Attendez. Voilà. Tu... Ok. Ok. C'était pas gagné. Loose raccourci. Ah ok, il est à côté de la du point de sauvegarde, c'est bon, je vois très bien. Je vois très bien à présent. Ah, mais du coup, je suis en train de faire la vraie suite alors que je voulais check, explorer en fait. Merde. Pas grave. What the fuck? Ok, je m'attendais pas à ça. On va explorer par là, écoutez. Hein. Tout est bon à explorer. Y'a quelqu'un ici. Voilà. Je le savais. Bouffe mon anguille. Bon, oh, ça par contre ça pue. Pouvoir des bulles. Merci. Ok, reprendre un petit cadavre, let's go. Miam miam. On adore ça. Enfin, je t'ai vu, le petit coffre. Pince universelle, un morceau particulièrement dense de plastique et de métal en forme de pince. Il doit valoir une fortune. En effet, 20 000 d'Atari, c'est plutôt pas mal. Oh, attendez, il y a un point de sauvegarde là-haut. Oh. Tresting. Ça, j'aime bien, ça. Ok, donc là, faut pas que je tombe, parce que j'ai déjà tout ramassé. En dessous. Ok, let's go. Attendez. Encore un raccourci. Oh, je t'ai vu, toi. Ah non, mais t'es la gentille. C'est bon, t'es la gentille. Un vagabond. Chitan. Comment vous êtes... Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? En répondant à l'appel, tout comme toi. Et j'imagine que tu es à la recherche de la spire, toi aussi. L'arme divine du vieil océan, forgée par d'antiques pinces. Vous savez tout ça? D'ailleurs, attendez, c'était pas une arme, si? Le vieux conservateur m'a dit que c'était une sorte de puissante babiole magique. Je ne sais pas grand-chose. Non, je ne savais pas grand-chose avant d'arriver ici. Mais j'ai beaucoup appris en peu de temps. À chaque mur, à chaque pilier de cet endroit est imprégné d'un savoir oublié, si l'on prend la peine de les regarder. Et ne sois pas naïf, vagabond. Un objet d'une telle puissance est forcément une arme. Et nos ennemis n'hésiteront pas à transformer son pouvoir en violence. Et nous ne devons pas hésiter non plus. Moi, je compte pas l'utiliser pour blesser des gens, je cherche seulement à arranger les choses. Et je veux récupérer ma coquille. T'entends-tu parler, vagabond? Tu t'es tant éloigné de ton objectif premier. En fait, mon objectif premier, c'était de récupérer ma coquille, en fait, justement. Enfin, pourquoi je dis ça? Quand oseras-tu enfin prendre ton propre gouvernail? Y parviendras-tu jamais? Si nous nous retrouvons au centre de ce labyrinthe, spire en pince, j'espère sincèrement que nous saurons nous mettre d'accord sur son utilisation. En ami. On est ami? Je vois que je ne comprends toujours pas. À très bientôt, vagabond. Attendez, vous savez où il faut aller? Réponds à l'appel, petit pagure. Laisse-toi guider par la spirale. Au fond de toi, tu sais déjà quoi faire. Mais après tout, elle t'a guidé toute ta vie. Ok. J'y ai tellement pensé, genre, les crédits républicains feront l'affaire. Non, elles ne feront pas l'affaire. Mais tu te prends pour un Jedi ou quoi, faire des passes de la main comme ça? Attendez, juste, je vais tenter de... tomber ici, voir où ça m'amène.
c'est où cet endroit? Ah, c'est bon, je me rappelle, c'est là où j'avais, où Conardo était en bas. Et je me rappelle. Bon, du coup, Balek. Oui. Ah non, mais attendez. J'ai le truc à explorer par là-bas. Eh, hey, hey, merde. Attendez. Oui. Attendez. Oui. J'ai un truc à explorer par là-bas. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Datari feront l'affaire. Non, elles ne feront pas l'affaire. Ça, ça me fait monter là, mais ça, je m'en branle. Je voulais aller par là, en fait, à la base. La base de base de base. À l'origine de tout. Au commencement, il n'y avait rien. Juste un gars qui ne savait pas où il allait. What the fuck? Tuant! Va tousser plus loin. Non, mais, ça, mais c'est un ennemi. Oh! Il y a eu le temps de me taper. Ce sera ton dernier affront! Ok. Elle est gigantesque cette carapace. Est-ce que je peux la mettre? Mais du coup, elle redevient petite. Ah, oh, c'est nul. Putain. En fait, il fait vraiment rien ici. Ah, si, j'ai rien dit. Petit chemin à explorer. Explorons. Merde, 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 je vais tenter une attaque combo, ça n'a pas marché. Oh ouais, non, c'était un mob... cheaté, là. Je ne pouvais pas... Tuant. Toi, par contre, t'es pas cheaté, t'es une grosse merde. Tuant. Tuant. Oui, une relique inoxydable. Oh, incroyable. Je suis le plus heureux des crabes. Ah, et donc, ouais, j'ai bien fait d'explorer un petit peu ces petits chemins. Est-ce que je peux goumer le jeu? Oh oui, je peux. Oui. Let's go. Je suis où, là? Ah non, c'est par là qu'il faut aller. Ok. Ah, mais que fais-je? Où vais-je? Où cours-je? Estúpido. Ah, ok, quand on tombe là, faut qu'on... Ok, faut qu'on passe sur la... D'accord. Non, on peut pas l'atteindre. Non, tu ne peux pas l'atteindre. Tu te prends pour un Jedi ou quoi? Merde! Putain, je dis de la merde et je tombe. Ou alors, est-ce qu'il faut pas juste que je me pose là, et qu'après je saute là-bas? Ça me paraît haut quand même, hein. Ça me paraît haut. Écoute, je vais tenter. Au pire. Au pire, voilà, je tombe, je suis triste, je pleure. Et voilà. C'est pas très grave. On aura tenté, et bah écoutez, c'est juste qu'il faut arriver par un autre chemin. Voilà. Je repasserai plus tard. Ah oui, c'est vrai, du coup, il fallait que j'aille par là maintenant. Donc, j'ai bien tout exploré. Je n'ai rien raté, évidemment. J'aille par là. Vachement haut, hein. Bizarrement, comme on est sous l'eau, bah là, ça va, j'ai pas le vertige, tu vois. Genre. Ça va.
Viens par là, mon ref. Tu en... Ah, depuis que je peux grave les ennemis, ma vie a changé. Visage s'est transformé. Et si vous avez cette ref, c'est que vous avez beaucoup trop regardé la télé. Oh. Attendez. Il y a des trucs à faire, là. Ça pour une pince à linge, il n'y a pas de petit profit. Ok, donc là, ça me fait aller tout là-bas. Magnifique. Petit coffre rouné, gratos. Oh oui, une pince universelle. Je suis si riche. Oh mon dieu, je suis honteusement riche. Et seulement dans le jeu. Putain, oh là, ok, c'est pas facile. Ok, c'est pas facile du tout. Ok, c'est bon. Je vous jure que c'était moins facile que ça en avait l'air. Incroyable. Arc Fenrir, expert en jeu de plateforme. Hop là. Il y a des ennemis ici, on est d'accord. Je sens leur présence. Bulle détectrice d'ennemis. Ah bah voilà, je le savais, saloperie. Oui, il fallait que ça soit un comme ça, par contre, je ne sais pas. Vas-y, approche. Mes bulles t'intimident, vil maroufle. Tuant. Hop là. C'est ça à moi. Ah, le petit bâtard d'eau. Non, bah, il y avait rien ici. Ah bah, pfff. Arc Fenrir le débile, il y a un coffre juste devant toi, tiens regarde. Pousse de Thalassé. Ok cool, je peux porter plus d'herbes. Ok. Genre ça augmente ma fiole d'estus. Pour ceux qui connaissent. Let's go. Ah là c'est juste pour me faire retourner. D'accord. Apparemment là-bas je peux pas aller, j'imagine. Écoutez, ça me va. Une fois que le jeu est sympa, il m'offre un petit billet de retour. Allez, bisous. Est-ce que je peux redescendre par là et faire mon gros sale? Non. Non, ce serait peut-être un peu trop sale. On va retourner là-bas, voilà, comme un être humain normal. Ça va le faire. Ok, toi fallait que je t'affronte, c'est ça? Oh merde, j'ai plus d'éclair. Non! Cassos! Vas-y, je me casse par là. OMG, Xus! OMG, comment tu vas? Toi, ici? Oh, comment ça fait trop plaisir! Mais j'espère que tu vas bien! Choper. Et oui, en effet, first time sur mon chat, mais tu es le bienvenu, tu le sais. Tu le sais très bien. Ah, ok, je peux m'équiper d'une tasse à café désormais. Oh putain, il y avait un autre connu à l'intérieur. Quoi? Attends, quoi? Il m'a retiré ma coquille?
qu'est-ce qui branle? Attends. Concentration ultime. Absolue contre cet ennemi du cul. What the fuck? Ok, c'est bon. Ouh. Moi, j'ai eu un peu peur, là. Ah merde, je peux pas l'équiper. Je peux pas l'équiper. Et du coup, est-ce que je t'ai déjà parlé de Another Crab Treasure? Le jeu où tu joues... Enfin, le Dark Souls où tu joues un crabe. Et où je pète présentement un câble... Oh, attendez. Parfait, regardez, il y a un point de sauvegarde, là. Ah, tu connais, c'est parfait, c'est parfait. Eh ben écoute, là, on... Alors, je sais pas si tu, juste tu connais ou si t'as déjà fait le jeu, mais là, j'ai l'impression qu'on s'approche de la fin du jeu. Tu dois le faire après, ça marche. Voilà, on est vers la fin du jeu. Voilà. Normalement, ça devrait pas spoiler grand-chose non plus. A priori. Mais attends. En fait, moi, j'aimerais bien... En fait, faudrait que je récupère ça, mais il y a un vieux dentier de merde. Un vieux dentier du cul. Oh, mon bro Sam! OMG, mais il y a tous les copains qui arrivent, c'est trop cool. Comment tu vas, mon bro Sam? Oh, ça fait 1000 ans que j'essaie de te choper quand t'es en live. Mais mec, je crois qu'on ne vit pas aux mêmes horaires, c'est trop chiant. Je sais même pas t'es sur quel jeu en ce moment, mon frérot. Ah, c'est terrible. C'est le jeu de ta vie. Non mais mec, en ce moment je fais que jouer à ce jeu, JPP. JPP, il veut pas me lâcher, il veut pas se laisser terminer ce jeu, c'est terrible. Oh, il y a un ennemi là-bas. Putain, mais encore un cogno, hein, dégage. T'aimes pas, hein. Il me semble bien que t'étais sur Phasmophobia en ce moment, t'en parles sur Twitter. T'es en train de devenir le premier joueur Phasmophobia France. Pour reprendre tes propres termes. Oserais-je? Vas-y, pas les couilles. Ok, ok, ok. J'aurais pas dû faire ça. Oh, je suis un connard. Oh, c'est beau. Faudra que je m'y mette un jour à Phasmo, là. J'ai trop de gens aussi qui m'attendent sur ce jeu. Il y a des gens qui m'attendent de pattes fermes. Ok, let's go. Hop là, ça c'est mon crystals. C'est la même en fait. Putain, merde, c'est nul. Boing. Ok, pour l'instant ça passe. Oh, là-bas. Ok, let's go. Et ouais, je disais avant que t'arrives, j'arrive à la fin du jeu. Ça fait tellement 1000 ans que je suis sur celui-là. Que je sais même pas quoi jouer après, genre. Genre, mon esprit a perdu l'habitude de jouer à d'autres jeux que celui-là, c'est terrible. Je suis matrixé par le jeu. Par contre, là, j'ai activé un truc, mais ça a activé, quoi. Ah, ça a activé ça. Ok, let's go. Alors, bougez pas. Ah, mais c'est que temporaire. Il y a une fin à ce jeu, oui. Apparemment, il y a une fin à ce jeu. Apparemment, un jour, il y a une fin à ce jeu, mais je sais pas quand. Hein. Non, en vrai, je sais que je m'en approche, mais... Wow. Putain, c'est long, ouais. Oh, toi. Voilà, lui, c'est le boss final. Pas du tout. Pas du tout, c'est un petit con. Meurs. Ah bah salut. Ok, Bim attend, let's go. Est-ce qu'il y a autre chose à explorer? Ok, bah apparemment faut d'abord que j'aille par là-bas. Ah putain non, j'espère qu'il y a une fin de jeu. Invocation de la foudre.
Qu'est-ce que tu me fais là comme bruit? Fais pas ça. Personne fait ça. Allez, salut. Oh, magnifique, un pansement usagé. Miam, miam, miam. Burk. Effet plus d'efficacité des soins. Oh, c'est pas mal, ça. En vrai, c'est pas mal. Par contre, c'est vraiment dégueu. Pardon, le jeu? Mais j'ai pas fait ça. Ok, on réessaye. Vraiment, je pense que les pansements... les pansements, c'est le truc que quand je nage genre à la piscine ou à la mer, c'est vraiment le truc qui peut me faire dégueuler instant. Le truc le plus dégueulasse. Citez-moi un truc dégueulasse, j'attends. Alors je ferai ça après parce qu'il y a des ennemis qui me fuiraient autour là, j'aime pas ça. Ah voilà. C'est ce qui me semblait. Mourez! Boing. Chiant. Beau move, les gong. Alors par contre. Un autre ennemi dans le coin. Tuant! Merde. Oh, attends. Ah, c'est vrai qu'il y a un autre ennemi, c'est vrai, attends. Un autre ennemi qui sort de sa coquille à lui. Dégueulasse. Dégueulasse, 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 dégueulasse. Est-ce que je peux aller là-bas? Oui, objet légendaire, c'est pour moi. Pas lourd de plus! Un mollusque bivalve natif des plages de sable. Dégâts du marteau, plus 30%. Ok. OMG, mais je suis tellement perdu. Attendez. Il y avait un connard à baliste là-haut. Ah! Putain, il est là. J'ai plus... J'ai plus de soins, j'ai plus de soins, j'ai plus de soins. Oh, c'est la merde, c'est la merde. Attendez, comment je peux faire, là? Je peux faire ça ou pas? Ah, j'ai dash dans un mur. JP tellement P. Ah. Allez, le dos droit. On est prêt. C'est parti. Donc toi, je te parlerai plus tard. D'abord, j'explorationne. Attends, est-ce que je peux pas faire? Attendez, il y a un truc à faire là, genre toi viens là. Hop, je t'achève. Hop, la mort par le chichi. Voilà, et maintenant j'aggro l'autre. Hop, on esquive son attaque de l'ange. Oh merde. Ok, c'est bon, il s'est pris les dégâts. Hop. Attaque de l'anguille. Meurs par pitié. Ish! Let's go. Ok, j'ai eu l'objet, j'ai eu l'ennemi. Next. Voilà, concentration d'un homme, je vous jure, vous avez pas idée. Là, il y a encore un connardo dans le coin. Je le sais, je sens sa présence. Voilà, il est là. Personne ne l'aime, toujours pas. Tuant! Voilà, il montre bien qu'il n'est pas aimé. Là, faut que je tourne le robinet. Bim. Bam. Et boum. C'est tellement glauque ta coquille. Je vois pas de quoi tu veux parler. Je vois absolument pas de quoi tu veux parler. Hein. C'est totalement sain d'avoir le... La mue d'un ancien camarade mort accroché à soi, enfin, c'est totalement sain. Hein. Attendez, je peux descendre là? Comment je fais?
faut que je passe par là. Oh! Ça utilise, c'est bien, c'est éco-responsable. C'est comme une balourde, mais en plus long. Non, mais c'est ça. Et mec, en vrai de vrai, t'as... What the fuck? T'as tout compris au jeu, en fait. C'est un jeu écolo, tout ça. Oh ok. C'est un jeu écolo et tout, voilà. Écoute, faut pas gâcher, hein. Le cadavre de ses amis et de ses ennemis, faut tout réutiliser. Ça fait quoi? Ah, ça fait que je peux revenir là-bas. Ça va pas rester. Ah si, ça reste. Ah, je viens de comprendre un truc de fou. En fait, les robinets d'eau chaude, ils sont temporaires, et les robinets d'eau froide, ils sont à l'inverse de temporaires. Ils sont permanents. Drrr. Je me suis raté un peu. J'ai toujours autant faim. Hein. Si jamais vous posez la question, j'ai toujours autant faim, voire même plus. Mon appétit ne fait que grandir. De seconde en seconde, de minute en minute. Meurs! Parce que, regarde, eux aussi font pareil. Ils sortent de leur propre coquille. Enfin, c'est trop chelou en fait. On dirait qu'ils muent. Oh ta mère, toi. Oh, toi, mon pote. Ça va très mal se passer. Ok, il est là-bas. Il est là-bas, on l'a vu. Attendez. Toi, mon ref. Toi, je vais te regretter d'être né. Je le dis tout de suite. Au bord de la foule! Merde, je me suis trompé de bouton. C'est pas grave. Non, mais il me fait tomber! What the fuck? What the fuck? Il m'a juste poussé dans le vide! Le mec s'est pris pour Bowser dans Mario Kart! Il est où? Putain, il est là. Voir de la foudre! Tu l'auras voulu! Ville maroufle! Putain! Quel enfer! Oh, petit objet légendaire là. Let's go. Boing. Ouais, pas où je vais maintenant. Parce que là en soi, après je pourrais revenir. Ah mais en fait j'aurais dû leur parler tout à l'heure. Attendez. Du coup je vais leur parler parce que j'ai dû rater des dialogues. J'ai dû rater du lore. Comment est-ce qu'une ville tout entière s'est retrouvée ici? Eh bien, du temps où j'étais, je veux dire, d'après les histoires, le roi gouvernait d'une pince de fer et favorisait le progrès et l'industrie. Tandis qu'un vaste réseau de sorciers et pagures maintenait l'équilibre de l'océan. C'est ça qu'on crée ce truc là, la spire parfaite? Tout à fait. L'océan prospérait à cette époque. Au dire de tous, la vie était belle. Malheureusement, le roi était contrarié par la puissance des pagures. Il craignait que leur dévouement envers la nature entrave le développement du royaume. Toute ressemblance avec des événements politiques de la vraie vie ne serait que purement fortuite. Il s'est emparé de la spire et a ordonné la destruction de leur village. Après cela, plus personne n'a prêté attention à la sagesse des pagures. Il n'a pas fallu longtemps au gunk pour submerger la ville. Et si nous ne faisons rien, il ne lui faudra pas plus de temps pour emporter la nouvelle Carcinia. Vous plaisantez? Et toute la ville ressemblera à ça? Cela me semble de plus en plus probable chaque jour, parole de crustacé. Il aurait pu en être autrement, je le sais. Il fut un temps, bien que bref, où cette société vivait en harmonie. Si seulement nous pouvions y retourner, renouer avec nos anciennes coutumes. Je sais que c'est possible, il le faut. J'espère que vous avez raison. Bah ouais, moi aussi. Toutes les créatures vivantes m'adressent leurs prières, vois-tu, quand elles sont sur le point d'être dévorées, quand la dernière goutte de leur sang quitte leur corps, quand elles réalisent que leur heure est venue. Elles ne formulent aucune parole, elles ne posent aucune question,
Elles prient de tout leur être. Elles espèrent contre toute logique qu'elles échapperont à leur agonie. Je les écoute toutes. Je suis la seule divinité de cet océan. Je veux bien des prières verbales. Si tu veux attirer mon attention, il te suffit de crier. Ok. Bah très bien, faisons ça. Oh. Oh ! Incroyable ! Encore ! Oh ! Excellent ! Mais attendez, mais un tout nouveau monde se fera moi. Et... Qu'est-ce que tu me fais, toi ? Attends, mais t'as voulu me faire une attaque combo ? Crie dans le micro pour le jeu. Mec ! Bouge pas, il suffit que je trouve un élément du jeu mal designé et t'inquiète, je vais crier comme tout à l'heure. Non, 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 j'ai plus qu'un point de vie. Ok, ulti de Trindamer. T'inquiète pas, mec. Je vais crier. Aline, pour qu'elle revienne. Merci, vous étiez chiant là. Arrêtez. Quand ils sont deux, c'est terrible. Ah. Putain, je peux pas les grab d'ici. Écoutez, ouais. Hop, pince à linge. Comment je vais faire là? Maintenant. Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà. Je crois qu'ulti moi aussi. Crie dans le micro pour le jeu, genre. Ah, je suis pas content. Ok, ça on s'en fout. Oh, un coffre. El coffre. Oh oui, une autre relique inoxydable. Oh oui, c'est magnifique. Je suis le plus heureux des paillures. Mais attendez, mais on est où? Ah, mais on est au début. Ah, mais ça pue la haise en fait. Non, non, je pas. Non. Ah non. Oui, que. Oh, oserais-je? Non, parce qu'après, non, parce qu'après je peux pas monter. Oh non, en fait, c'est plus la mer cet endroit. Vas-y, je retourne où j'étais. Salut! Salut, je me casse! C'est très bien, mais en fait, on se fait chier avec vous. Blou 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 blou! Allez, à la prochaine!